Bonjour, merci beaucoup d'être ici et d'avoir bravé le temps, les grèves et tout ce qui va avec. Mais finalement, c'est que du changement, tout ça, donc c'est pas très grave. Effectivement, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes, donc ça va être court et à la fois très long, si jamais je vous ennuie, de cette notion du changement qui, quelque part, est indubitablement liée à toutes nos vies aujourd'hui, quoi qu'on en dise, quoi. En quelques mots, effectivement, mon parcours, parce que le changement, je l'ai connu très tôt. Moi, je suis né dans un petit village suisse, donc j'avais des forêts autour de chez moi. J'ai toujours été dans la forêt, toujours été dans les montagnes. Ça a été ma vie pendant toute mon adolescence, mon enfance, avec une idée assez simple, c'est d'être explorateur. Bon, c'est quand même pas très compliqué, on a tous eu envie de ça quand on était enfant. Et donc, moi, je partais dans la forêt, j'allais me balader, c'était super. Et un jour, j'ai eu un malheur dans ma vie, c'est que je suis allé à l'école. Et à l'école, on nous dit qu'on sait déjà les choses. On nous apprend où est Pluton, où est le canyon, où est ci, où est ça. Et finalement, on ne nous dit pas beaucoup. Voilà ce qu'on sait, mais finalement, voilà tout ce qu'on ne sait pas. Forcément, on ne le sait pas. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, quand on est jeune enfant et qu'on va voir son conseiller d'orientation et qu'on nous dit « je vais être explorateur », qui nous regarde en proposant plutôt d'être électricien ou charpentier, ça casse un peu le truc. Donc, je fais un peu comme tout le monde, j'abandonne. Et je vais devenir comédien, cascadeur. Des métiers dans lesquels j'essaie de trouver une bribe de découverte, de recherche, de questionnement, parce que quand on crée un rôle, on se questionne. À côté de ça, je continue de faire de la montagne, c'est ma passion, donc je vais en montagne un peu partout. Et puis, pendant une dizaine d'années, je vais me contenter d'aller en montagne le week-end, quand je peux, et de travailler comme comédien, cascadeur le reste du temps. Jusqu'à un jour, je décide, parce que la montagne, c'est sympa, mais de partir au Népal, aussi pour faire de la montagne, de réaliser assez vite que le Népal, c'est pas que de la montagne. De me dire qu'on connaît pas beaucoup ce pays, de décider avec une amie de faire le tour du pays intégralement à pied plutôt que d'aller faire un sommet. Et pendant ce tour du Népal à pied, quand on arrive dans l'ouest, on va rencontrer des peuples qui n'ont jamais vu d'homme blanc. Alors qu'on est dans un pays cartographié, plus ou moins connu, où tous les alpinistes vont chaque année. Et de rencontrer ce peuple qui va être complètement surpris de nous voir arriver, parce que voilà, et ensuite de nous emmener chez eux, dans leur maison, dans leur vie, pour nous montrer leur propre vie. Cet échange-là me fait réaliser que, bon sang, on ne connaît quand même pas grand-chose sur pas grand-chose, en fait. Et que la notion d'exploration, certes, elle est peut-être plus de découvrir l'Amérique, quoique, mais elle est d'aller questionner toujours chaque notion pour savoir si réellement on est arrivé au bout et de constater qu'on n'est jamais arrivé au bout de rien. Et donc, je décide de changer de métier et de devenir explorateur. Alors, explorateur, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'écoles, donc il faut se former par soi-même. Voilà, pendant quelques années, je vais me former et je vais commencer à mener des expéditions dans le monde entier avec deux constantes. La première, c'est que je fais des expéditions soit en solitaire dans tous les milieux de la planète les plus extrêmes, que ce soit le désert, les montagnes, la forêt tropicale, plongée sous-marine et autres, ou en tant que leader d'expédition scientifique, où j'emmène des groupes, des systèmes pour questionner notre monde, notre planète, avec une chose assez intéressante dans chacun de ces milieux, tous, parce que c'est des milieux extrêmes, c'est que tout peut changer à tout moment. On ne peut jamais savoir ce qui va arriver dans l'instant d'après. Et pour illustrer ça, je vous propose de vous parler d'une expédition un peu particulière que j'ai faite il y a quelques années avec une amie, une géographe, Mélusine Malander, dans les canaux chiliens de Patagonie, qui est un énorme système de canaux développés. Il y a plus de 10 000 km de canaux développés, dont la plupart sont peu ou pas cartographiés, donc c'est un endroit assez super pour y aller. On part en kayak parce que c'est un endroit assez compliqué pour naviguer, il y a beaucoup de hauts fonds, donc finalement le meilleur système c'est le kayak. Et ce que je vais vous montrer là, c'est une journée de navigation en Patagonie. Alors, on part le matin avec une petite brume, c'est pas trop dramatique, on commence à avancer, à naviguer. Assez vite, les nuages percent, le soleil arrive, la mer est calme, il est 8h du matin, on se dit que ça va être une super journée. Puis tout d'un coup, on voit arriver des moutonnements de plus en plus forts, de plus en plus hauts. Alors ceux qui naviguent savent que quand on a des moutonnements comme ça, on est déjà à 80-100 km/h, on va vite se mettre à la côte, on s'arrête. Ces moutonnements amènent des nuages qui amènent de la neige. On est en plein été, mais c'est pas grave,
C'est des choses qui arrivent. Il est 10h, 10h30 du matin, on monte la tente en vitesse, on se dit que la journée, elle va être finie. Et puis tout d'un coup, le vent s'arrête, les nuages s'en vont aussi vite, le soleil revient, petit arc-en-ciel, la neige fond aussi vite qu'elle est venue. Midi, tout va bien, on remet les kayaks à l'eau. Tout d'un coup, c'est super calme. On a ce qu'on appelle des doigts de Dieu. Tout d'un coup, ça perce dans les nuages. C'est splendide, c'est génial. Et puis, on voit arriver une énorme masse face à nous, soudainement. On se dit que c'est de la brume, mais ça va très vite. Donc, on va très vite à la côte. Et en fait, ce n'est pas du tout de la brume. C'est une masse de neige qui nous tombe dessus. Paf. Donc, on a juste le temps de monter la tente. Et voilà, et cette fois, il est 2h de l'après-midi. Donc, on sort la nourriture. On se dit que c'est plié, qu'on va pouvoir aller dormir. Et puis, les oiseaux ressortent. Le temps est de nouveau meilleur. On regarde dehors. C'est de nouveau plus calme. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on sort pas? On est assez bien au chaud dans la tente quand même. Hein. Ouais, mais si on sort pas, on n'avance plus. Bon, on tente le coup, on commence à remettre les kayaks à la mer et là, la neige revient. Et cette fois, c'est 70 cm de neige qui vont tomber en 2h. On est toujours en été. Et donc, on décide de rester là et cette fois, c'est vraiment fini. Voilà une journée en Patagonie. C'est pas une journée exceptionnelle, c'est presque tous les jours comme ça. Donc, cette notion-là, cette notion du changement, elle est prépondérante. Et elle nous rappelle une chose assez simple, c'est que si on attend que tout aille bien, si on attend que tout soit prêt, si on attend que tout soit là pour démarrer quelque chose, on ne le fait jamais. C'est simple, en Patagonie, le 3/4 des expéditions, sinon plus, le 90% des expéditions n'arrivent pas à leur but, non pas tellement parce que les gens ne sont pas capables de le faire, mais parce qu'ils restent dans l'attente quand il commence à faire mauvais temps. Il faut tout le temps sortir. Il ne faut jamais accepter de se dire que le système extérieur va nous dicter quelque chose, mais de travailler avec lui. On en reparlera un tout petit peu. Parce que derrière ça, quand on commence à sortir, c'est là que ça devient intéressant, parce que ces mêmes conditions terrifiantes, forcément, elles amènent aussi un certain nombre de choses assez sympathiques. On est dans un endroit complètement inexploré, ou très peu touché, où il y a très peu d'humains. Les animaux, ils n'ont pas peur de nous. Ils ne connaissent pas encore l'homme, donc ils viennent à nous sans aucun problème. Ces mêmes vents qui amènent les nuages, la neige, ils amènent aussi des visions de rêve, parce que vous pouvez vous asseoir au même endroit et voir le paysage défiler devant vous, tellement ça change tout le temps. Donc on est pris dans quelque chose qui est d'une puissance absolue et qui, quelque part, est créateur de rêves, créateur d'envie, créateur de passion. Et quand on va chercher ça, plutôt que de chercher à savoir si on doit sortir ou non de la tente quand il fait mauvais temps, on commence à réellement créer un monde qui est celui de l'extérieur qu'on explore, mais qui est aussi le nôtre. Et quand on peut commencer à naviguer devant ce genre de glacier avec un petit kayak qui est ici et que vous avez ces immensités autour de vous, vous commencez à réaliser ce que vous êtes, à savoir un géant d'être arrivé jusque-là et une minuscule poussière par rapport à l'immensité dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est cette relativité que vous devez toujours avoir en tête quand vous avancez dans le changement. Et ce qui est fabuleux, c'est que sans le changement, tout ça, ça n'existe pas. Sans la créativité, sans l'obligation de trouver des solutions, sans l'obligation de se dépasser par rapport à ce qui nous arrive, on ne trouve pas des choses extraordinaires. On est juste dans l'ordinaire. Et là, vous avez un choix. Soit vivre dans l'ordinaire, soit créer l'extraordinaire. Et pour créer l'extraordinaire, il faut aller dans le changement. Il faut se remettre en question en permanence, nous, le système dans lequel on est, et la manière dont on évolue à l'intérieur. Et ça, c'est vrai dans toutes mes expéditions. Il y a d'autres expéditions qui ont été très formatrices pour moi. Alors, je vais passer très vite dessus. Par exemple, le Cordillère de Darwin, c'est une chaîne de montagnes à l'extrême sud d'Amérique du Sud où je pars avec 3 amis pour faire une expédition là-dedans, d'escalade de montagne sur des glaciers assez extraordinaires, qui va se transformer finalement en tempête de 13 jours durant, sans arrêt, sans pouvoir quitter la tente, à 3 dans une tente de 2 personnes, où on ne peut plus rien faire. Et là, psychologiquement, c'est intéressant. C'est du changement qui commence à questionner sur notre capacité de survivre dans ces systèmes. Parce que le changement, parfois, c'est aussi ça. Et puis, c'est la même chose quand on revient 2 ans plus tard avec une équipe de scientifiques pour, du coup, étudier ces montagnes, parce qu'on a vu qu'on n'avait rien compris, de constater qu'on arrive sur le même glacier où on a passé 13 jours et qui s'est totalement transformé en 2 ans, que ce n'est plus du tout le même endroit, que nous avions un glacier relativement safe et intéressant pour avancer, qu'on a soudainement un glacier déchiqueté qui s'est effondré sur lui-même parce qu'il y a une poche d'air qui s'est ouverte et qui a fait que le glacier s'est effondré. Donc même quand on a tout préparé parce qu'on sait où on va, ben l'endroit où on arrive est peut-être quand même différent. Et ça, c'est pas mal parce qu'on dit toujours qu'il faut tout préparer, puis baliser, puis tout ça. Oui, c'est vrai, il faut le faire, c'est important, mais ça ne suffira jamais si vous n'êtes pas prêt, si nous ne sommes pas prêts à accepter que tout peut se transformer tout de suite. Et je crois que là-dessus, on est assez d'accord que tous, sinon, bon, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui, qu'on est dans un monde qui change. Voilà.
Et ce que je trouve assez étonnant, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans mes expéditions, c'est qu'à ce jour, on est dans un monde qui change, mais le changement, c'est plein de raisons. Hein. Ça peut être des crises, ça peut être des populations qui sont en détresse, ça peut être des climats qui changent, ça peut être des tempêtes, mais ça peut aussi être des décisions, ça peut aussi être des volontés, ça peut aussi être de la conquête de nouveaux territoires pour nous, ça peut être des nouveaux besoins, des nouvelles envies. C'est aussi du changement. Sauf qu'aujourd'hui, ça, on n'arrive pas à le voir. Globalement, quand on parle changement aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est des choses négatives. Du coup, on traîne le changement comme un boulet. Et à chaque fois que quelque chose se passe, plutôt que de réfléchir comment je peux travailler avec, on réfléchit comment je peux le contrer. Ce n'est pas au taxi que je vais apprendre ça, en tout cas. Donc on est tout le temps dans ce système-là, dans cette boucle infernale de chaque fois que quelque chose évolue, plutôt que de le prendre comme tel et d'avancer avec, de vouloir lutter contre. Et souvent de faire l'autruche. Dans la plupart des cas, quand on parle de changement, on se dit que ça va passer tout seul. Il n'y a qu'à voir avec le réchauffement climatique actuellement. C'est quand même plus simple de mettre la tête dans le sable et de se dire que ça s'améliorera bien sans nous. Voilà, donc on est un peu dans cette thématique-là. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et si vous permettez, pendant la dizaine de minutes qui doit me rester à peu près, je vais essayer de respecter le timing, je vais essayer de vous donner quelques visions de ce que moi, je considère être des états d'être, des notions de ce que représente le changement. Une chose qui est importante pour moi, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que c'est finalement le changement, c'est nous qui le subissons. Si au moment où je vous parle, il y a une avalanche qui tombe sur le Chimborazo, d'abord vous ne savez pas où est le Chimborazo, ça vous fait une belle jambe. Si au moment où je vous parle, il y a une avalanche qui tombe sur le Chimborazo au camp de base, mais qu'une personne dans cette salle a son fils, son ami, sa femme, qui est au camp de base, tout d'un coup cette avalanche, elle prend une signification toute différente. Si maintenant ce toit s'effondre, je peux vous garantir qu'au Chimborazo, ils n'ont rien à faire. Par contre, nous, ça va beaucoup nous toucher. Cette notion-là, elle est fondamentale pour comprendre que le changement ne peut être compris et impactant pour nous qu'à l'aune de l'impact qu'il a sur nous, sur nos proches, sur notre système proche. C'est aussi pour ça que la notion de distance kilométrique par rapport au drame est si présente, c'est parce qu'on ne peut pas l'appréhender de la même manière. C'est très important parce que ça veut dire qu'on doit se rendre compte que l'humain est impacté en premier lieu par les changements et donc qu'il est à l'aune de la résolution et de la systémisation et de la création de ces changements. Nous avons, nous, humains, non pas les machines, non pas les process, non pas les systèmes, la capacité de faire évoluer les choses dans la direction que nous désirons, si nous désirons prendre les choses en main. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à travailler sur ce changement de manière concrète et commencer à accepter le système. On entend beaucoup de résignation ou d'abandon. Ah, le changement, c'est comme ça, ça ne va pas, on essaie de lutter contre. La résignation, l'abandon, ça ne marche pas. Il y a juste l'acceptation. Une fois qu'on a accepté que les choses changent, on peut commencer à travailler. L'acceptation, c'est d'accepter la situation qui est en train de nous arriver. Il y a quelque chose qui se passe, il y a 200 km/h de vent sur ma tente, je peux faire ce que je veux, hein. Je peux sortir avec une pancarte pour faire grève contre le vent. Ça ne marchera pas. Il est là, il est comme ça. Je ne peux pas lutter contre, par contre, je peux lutter avec. La question c'est comment, mais pour ça il faut déjà que je l'accepte. Et moi je sais que c'est difficile parce que quand par exemple on a 13 jours de vent sur la tente, pendant les 5 premiers jours je pense que ça va passer tout seul et je fais rien. Et je me dis que ça va aller. Et ça marche pas. Parce qu'au bout de 5 jours on n'a plus de nourriture, on est complètement délité, on ne sait plus comment faire et on n'est plus en état de vraiment prendre les choses en main. C'est déjà trop tard. C'est tout de suite qu'il faut avancer. La deuxième chose c'est son rôle. Globalement on pourra toujours attendre des autres que les choses se passent pour nous. Mais ce qui est certain, c'est que si nous, on décide de faire les choses et de prendre les choses en main, on a un petit peu plus de chances de non seulement travailler avec le changement, mais le créer. Parce que finalement, si on créait le changement plutôt que de le subir, ce serait peut-être pas si mal. On est leader de ça. On est leader de ça. Malheureusement, souvent, dans un système qui est compliqué, hein, aujourd'hui, on a été longtemps leader de la destruction, maintenant, il faut qu'on redevienne leader de la création. Et ça, c'est nous qui devons le faire et le prendre en main. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à retrouver un esprit de conquête par rapport à ça. Alors l'esprit de conquête, pour moi, ce n'est pas aller planter un drapeau sur un sommet. Hein. L'esprit de conquête, c'est la vraie volonté de vouloir créer quelque chose. Parce qu'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'au bout du compte, excusez-moi, on ne voit pas très bien avec le type de colorimétrie, au bout du compte, notre vraie puissance et notre vraie force face à tout changement et à tout système qui évolue, c'est notre imaginaire. Notre capacité à se projeter dans quelque chose de nouveau qui pourrait occurrir, une fois que le changement est dépassé. Parce que c'est ça notre but, c'est de créer. Il n'y a aucune contestation au monde qui n'est plus puissante que celle qui passe par la création. Parce que créer quelque chose de nouveau, ça perturbe tout le monde et ça oblige chacun à se reposer des questions et à évoluer. Pour imaginer, pour pouvoir créer, il faut avoir une agilité corticale bien développée. Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais n'oublions jamais que notre cerveau est un système qui se travaille et que si vous faites tout le temps le même travail, vous ne travaillez plus votre cerveau.
Allez chercher des choses nouvelles pour vous. Obligez-vous au changement. Obligez-vous à aller sur des choses qui vous perturbent, qui vous questionnent. Ayez peur. Ayez peur. Parce que dans la peur, si vous l'acceptez, on trouve une force extraordinaire pour se dépasser et aller au-delà de tout changement ou de tout système qui vous perturbe. Et puis tout ça, il faut l'envie. Parce que l'envie, c'est le moteur de tout. Vous ne ferez jamais faire à quelqu'un quelque chose bien sans lui en donner l'envie. Et c'est donc vrai pour nous aussi. Ce n'est pas l'argent qui motive les gens, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas de leur donner des choses incroyables. Ce n'est même pas l'incertitude, ce n'est même pas la peur qui les empêche d'avancer. Ce qui les empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'avancer, c'est de ne pas avoir assez envie de le faire et de ne pas avoir un but clair par rapport à ça. Créez-le toujours, que ce soit pour vous, pour vos acquis, pour les gens avec qui vous travaillez, pour vos amis, pour votre famille. Créez l'envie. C'est vrai qu'il faut un peu de courage pour ça. Il faut du courage d'aller se confronter au changement pour une simple raison. C'est que le changement, par définition, va vous faire perdre quelque chose. On ne peut pas changer quelque chose dans un système sans perdre quelque chose. Ça peut être anodin, ça peut être un détail, ça peut être quelque chose d'énorme. Et donc, ça fait peur, on n'en a pas envie, parce que ce qu'on a, c'est ce qui nous définit. On croit en tout cas que c'est ce qui nous définit. On pense que les objets, les systèmes, les lieux dans lesquels on évolue, c'est ce qui nous définit. Dès le moment où on a compris que ce n'est pas ce qui nous définissait, mais que c'est notre volonté et notre imaginaire qui nous définissait, on peut commencer à se passer de ces systèmes et accepter de perdre. Et là, on va pouvoir commencer à regagner quelque chose. Et je terminerai sur cette notion-là. C'est que pour pouvoir évoluer là-dedans, vous avez un outil, et c'est la décision. Je vais faire un truc pour vous, là, maintenant, parce que je vous sens un peu endormi. Je vais faire un tour magique. Je vais prendre une décision pour vous, là, maintenant. Ça va être un peu choquant, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça va bien se passer. Je prends une décision. Je vais faire un tour sur moi-même. Ouais. Je vais essayer autre chose. Ça va pas marcher, ça. Je vais faire un tour sur moi-même. Une toute petite différence. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parler, c'est super. Mais ça ne fait pas avancer grand-chose. Une décision, c'est la capacité de la mettre en œuvre. Quand vous décidez de prendre votre tasse de café le matin, vous avancez votre bras pour le faire, et bizarrement, ça marche. Et ben c'est pareil pour toute décision au monde. Arrêtons de toujours poser des choses et des paroles longues, et pendant ce temps, le changement nous passe devant, et commençons à agir pour non pas lutter contre ce changement, parce qu'encore une fois, contre 22 km/h, ça ne marche pas, mais créer notre propre monde dans le changement. Et quand on fait tout ça, quand on commence à mettre tout ça en place, il y a plein d'autres données sur lesquelles je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, on va pouvoir commencer à recréer les choses. Moi, ce que je trouve génial, c'est que dans les pires moments de ma vie, c'est où j'ai créé les choses les plus extraordinaires. Quand je passe 13 jours dans une tente, où effectivement on est au bord de la vie et de la mort en permanence, et où les choses sont assez difficiles, je commence à observer ce qui se passe, à noter ce qui se passe, à questionner ce qui nous arrive à nous, à mes deux collègues et à moi. Et quand on redescend, je vais voir des spécialistes, des psychologues et autres, et je leur dis voilà ce que j'ai observé. Ils me disent c'est pas possible. Je dis ben c'est bête parce que j'y étais, quoi. Et ça va donner le starter pour monter un programme d'études et constater qu'on n'avait jamais fait d'études in situ sur la capacité cognitive de l'être humain dans des situations réelles et non pas en laboratoire ou sur des souris. C'est quand même pas mal, quoi. Et tout d'un coup, on crée un programme qui aujourd'hui va continuer, enfin, que je recrée aujourd'hui avec des nouveaux laboratoires, et on est reparti pour plusieurs années pour aller se questionner non plus sur comment on peut créer des nouvelles technologies, mais sur comment on peut utiliser la meilleure technologie qu'on ait, nous, à savoir notre cerveau, pour pouvoir avancer dans le système. Et ça, c'est parce que je passe 13 heures dans une tente. Quand on est bloqué avec ce glacier qui a complètement changé avec les scientifiques, on ne peut pas faire les études qu'on a prévues. Par contre, on voit des petits insectes nous passer devant. Or, a priori, les insectes qui vivent dans la glace, ça n'existait pas avant, quoi. Et bien, finalement, ça existe et on en a découvert à ce moment-là. Et ça, c'est parce qu'on a dû changer notre programme et ne plus avancer, mais prendre le temps d'observer l'endroit où on était. Voilà. On ne peut pas modifier ce qui nous arrive. On ne peut pas arrêter le temps. On ne peut pas dire aux choses qui se passent dehors, arrêtez-vous. Par contre, on peut, nous, prendre les choses en main, en décidant ce qu'on veut faire par rapport au changement. Et encore une fois, votre outil principal, c'est la décision et l'amour de ce que vous faites. Et là, ce qui est super, c'est que quand il pleuvra, quand il y aura des tempêtes, quand il ne fera pas beau, quand vous ne serez pas bien,
plutôt que de rester chez vous, vous sortirez danser sous la pluie. Et en plus, vous aimerez ça. Et là, vous maîtriserez vos vies et le changement qui va avec. Je vous remercie de m'avoir écouté.